Le voici, le voilà. Cognillon, qui est présenté par David Bernier du Haras du Chêne Vert. Il est nouveau au Haras du Chêne Vert, ce Cognillon, ce fils d'Acatenango, un étalon prouvé en père de père, puisque, bien sûr, il a plusieurs fils étalons. Je pense à Lando, Blue Canary, Nicaron, Protector qui faisait déjà la monte au Haras du Chêne Vert avec succès il y a quelques années avant d'être exporté. Cognillon, le nouvel étalon du Haras du Chêne Vert. Après Boris de Deauville, voici Cognillon, le neveu de Wajib, gagnant des Queen Anne Stakes. Le cousin également de l'Oxandra qui a ensuite au Haras donné des vainqueurs de stakes. En veux-tu, en voilà. C'est la mère de Keltos, Cavafil, Loxias, Kratayos et Iridanos. Lui-même était un cheval de stakes, ce Cognillon. Il a été acheté par le top jockey de trop, Clément Fressel, qui je crois court demain à Vincennes, si je ne dis pas de bêtises. Cognillon est gagnant de l'Easted sur 2400 mètres à Dortmund à l'âge de 3 ans. Il est également gagnant à Cologne à l'âge de 2 ans. Une victoire en une sortie. Troisième d'Axos ensuite et d'appel au maître dans l'important Union Rennen. C'est un groupe 2 qui est préparatoire au derby allemand dans lequel Cognillon s'est placé deuxième derrière le champion Schiaparelli. Battu d'une tête hein, seulement du cheval de groupe 1 Schiaparelli. Il était entraîné par Andreas Wöhler, l'homme de Protectionniste, Isfahan, Feodora, Novelliste, Scalo et j'en passe et les meilleurs. Ce Cognillon portait la casaque de son éleveur, le Gestüt Farhof, c'est la famille Jacobs. Et par la suite, d'ailleurs, il avait été acheté par un proche d'Andreas Jacobs, c'est le docteur Van Kuten, qui l'a placé étalon en Allemagne. Il a pratiquement sailli de façon privée. Cognillon, un fils d'Acatenango, 1200 euros la saillie, poulain vivant, un alezan, 1,67 m.